Nous allons vous raconter l'histoire d'une petite fille qui avait perdu son cœur. Cette petite fille, je l'ai rencontrée. Elle n'avait pas de parents. Elle habitait dans une grande maison avec d'autres enfants qui eux non plus n'avaient pas de parents. On ne m'a rien dit. Ferme vite tes paupières. Salut. Salut. Ouais. Y'a papa là et papa. Mon secours vous mènera à la science, même si la science vous fait peur. Même si vous avez l'impression d'être le pire des incultes. Incultes, donc du latin inculare, qui désigne symboliquement le refus de se laisser pénétrer par la culture. Des gens comme vous et moi. Et moi. Et qui se lèvent le matin, qui mangent trois fois par jour, qui amènent les enfants à l'école, qui vont chez Ikea le samedi après-midi. Comme tout le monde. Ils sont pas des surhommes, hein. Les chercheurs, la semaine, ils cherchent, et le samedi, chez Ikea, ils cherchent aussi. J'ai avalé ma salive et j'ai dit « Salive !» Salut. C'est ce que je voulais dire. Tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit c'est bien ça. Mais cette fois, c'est toi qui m'as attiré. Il me semble que là où tu es, tout est, je ne sais pas comment dire, inconsistant. Et moi, vois-tu, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Chacun saura de quoi ils sont capables. Je ne vais pas à l'école. C'est mon papa qui m'enseigne tout.
Ah, il sait apprendre. Tout et plus encore. Mon papa est musicien. Il joue du violon dans l'orchestre de notre ville. Il m'apprend la musique, le violon, le clavecin, et il apprend aussi à ma sœur Nanère. Ah, j'oubliais. J'aurai bientôt 6 ans. J'ai rencontré un homme qui a, comme moi, la musique dans sa tête. Il pourrait être mon papa par son âge, mais il m'a fait son ami. C'est Monsieur Jean-Christian Bach, le maître de musique de la Reine. Il m'a pris au clavier dans ses jambes et nous avons joué tout un morceau. À lui, à moi, encore à lui, encore à moi. Que c'était drôle!